zéphyr bleu scintillant. Regarde, il est juste là. Je l'ai vu le premier. Qui a osé pénétrer dans la grotte du saphir bleu scintillant? Si vous désirez prendre le saphir, vous devrez d'abord résoudre une énigme. Écoutez bien, cette pierre précieuse a été taillée en forme de trapèze. Quelle figure géométrique peut-on assembler pour former un trapèze? C'est quoi un trapèze? Je crois que je sais, c'est une sorte de... J'ai pas la réponse. Moi non plus, je n'en sais rien. Excusez-moi, et si vous essayez de trouver la solution ensemble? Tous les deux? Après tout, c'est notre dernière chance d'obtenir ce vœu. On fait équipe? On fait équipe. Allons-y, on doit construire un trapèze à partir de ses formes. Que faut-il mettre au bout? Ces deux-là! Oui, les deux triangles! Mais oui, les deux triangles! Il ne nous manque plus qu'un rectangle! Oui, mais il n'y a pas de rectangle, regarde! Quelle figure pourrait-on assembler pour former un rectangle? Ces deux-là, les carrés! Oui, les deux carrés! On a réussi! On a fabriqué un trapèze! Bon travail, bravo! Merci beaucoup! On forme une super équipe! Allons-y, on a un vœu à faire! Oh non! Comment on va redescendre? Oh, il y a le toboggan. C'est très amusant. Regardez. Super amusant. Merci pour tout. Rentrez bien et merci pour les bracelets de l'amitié. Ils sont très jolis. Je vous en prie. Les trois marchands retournèrent vite voir le génie de la lampe avec le dernier joyau légendaire. Madame Génie, regardez! Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est vous les enfants! Voici le saphir bleu scintillant! Fabuleux! Quel beau joyau! Je n'en avais jamais vu d'aussi énorme! Mais... Il n'est pas suffisamment précieux? C'est pourtant le dernier joyau légendaire! Qu'y a-t-il de plus précieux au monde? Nous ne le saurons jamais, je suppose. Mince. Même en faisant équipe, on n'a pas réussi à avoir notre vœu. Je suis déçue. Mais on s'est bien amusé, pas vrai? Merci, Ronnie. C'est grâce à tes bons conseils, tu sais. C'est normal. Tenez, voici des bracelets de l'amitié. Oh, merci, mais Ronnie. Oui. Amis pour la vie. Oh, mais oui. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Voilà ce qu'il y a de plus précieux au monde. Des bracelets de l'amitié? Non, non, voyons pas les bracelets. L'amitié. Il n'y a rien de plus précieux au monde, les enfants. Oui, carrément. C'est vrai. Tout à fait. Bien. Quel est votre vœu? Oh, j'ai une idée. Je voudrais qu'on vive d'autres aventures fabuleuses. Ah oui, tous ensemble. Ça me va. Quel beau vœu! Vous aurez besoin d'un tapis volant, c'est ça? Tada! Wow! Merci, Madame Génie. Génial! Adieu, les enfants. Je retourne dans ma lampe à attendre quelques milliers d'années supplémentaires. Attendez, Madame Génie. Vous voulez venir avec nous? Comment? Vous m'invitez? C'est vrai? Mais oui, venez, il y a de la place. Les trois marchands et le génie s'envolèrent pour de magnifiques aventures. Ils avaient compris que dans la vie, il y a des choses qui brillent et qui nous fascinent, mais que rien n'est plus précieux que l'amitié.